Et bonjour tout le monde, on se retrouve sur Founders Fortune. Alors, on en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 petits colons. Que font-ils? Yep. On va faire le tour de chacun, déjà. Patrick, où est-il? Patrick, qu'est-ce que tu fais, mon petit? Il profite du feu. Est-ce que Patrick est capable de faire autre chose que profiter du feu? Les heures de fabrication, ça ne nous intéresse pas. C'est un forestier, Patrick. Donc, en tant que forestier, déjà, tu vas aller... Comment ça, non? Pourquoi tu peux pas abattre un arbre? Qu'est-ce qui se passe? Patrick? Je sais pas si c'est pas... Ah oui, il est stupide. Non, mais ça l'empêche pas d'aller abattre un arbre, par contre. Pourquoi il veut pas abattre un arbre? Là, je comprends pas. Patrick? J'aimerais... Réserve de bois pleine. Ah bah, en même temps, ça, c'est pas si mal. Réserve de bois soit pleine. C'est pas si mal, on va le laisser faire sa vie. Ok, Benjamin. Benjamin qui est un mineur, mais je crois qu'il était justement en train de miner. Maintenant, minage de fer. On en est où? Alors, compétence manquante. Mineur qui sait pas miner du fer, c'est embêtant. 35 sur 100. Il faudra 2 points en plus, donc on n'y est pas encore. Hein. Là, on en est où? Médecine rudimentaire. Oui, ok. Yep. Violette. Violette qui est une enfant, donc on va lui laisser faire sa vie. Pénélope. Pénélope est une fermière. Pénélope pourrait... Ouais, tu pourrais... Pourquoi j'arrive pas à récolter les tomates? Ça serait bien. Elle en est où de ses compétences? Elle approche doucement, elle pourrait bientôt cuisiner au feu de camp. Ouais, d'accord, ben on va la laisser travailler un petit peu. Jeanne est médecine. Faut aller loin du point pour le traitement sur la grippe, on n'en est pas encore là. Jeanne va un peu faire sa vie. Antonin, qui est un érudit, il est censé dormir. Elle est où, la maison de l'érudit? Elle est là. Voilà, c'est son lit. D'accord, donc il va faire sa petite planche, qui est aussi fermière. Elle en est où des compétences? Il lui manque beaucoup de points. On sait pas encore. Et ben, de toute façon, c'est l'heure du dodo. Voilà, voilà. Ensuite, ils font... Ok. Pourquoi elle va laisser squinter le pied? Elle a un souci, la dame? Ok. Est-ce que la musique est pas un petit peu forte quand même? On va aller baisser la musique. Où c'est? C'est pas là. Alors, paramètres. Audio. Ok. Voilà. C'est un petit peu mieux comme ça. Bon, on a plein de bois, c'est cool, c'est vraiment la nourriture qu'on pêche. C'est l'automne, non c'est pas encore l'automne, c'est encore l'été, d'accord. Blanche, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu pourrais récolter les tomates. Ça serait pas totalement stupide. Pas vraiment de bâtisseur. Patrick.
Tu vas nous faire une petite maison. Alors, tu vas nous faire une maison. Parce que là, on en a combien? 3, 4, 5, 6. Ouais. Oui, bah c'est normal en même temps. Il y a une gamine, elle dort avec sa mère. Ça, c'est normal. Et ben, on va faire. Je pense qu'une grande. Puis comme ça. Hop! Ah ouais. Allez, au boulot. On va faire une grande pièce commune ici, je pense que ça sera bien. Bon, je leur laisse faire ce qu'ils ont envie, hein, parce qu'apparemment, c'est pas ce que je leur dis. Ouais. Récolte le blé, très bien. C'est quoi ici? Ah oui, potiron, c'est pas la saison. Hein. Donc on va pas accueillir tout de suite quelqu'un. Parce que les réserves de bouffe, c'est pas non plus la joie incroyable. Pour l'instant, on va rester tranquille. Il nous faudrait un artisan, ça serait bien quand même, dans les compétences là. Parce que qu'est-ce qui nous manque? Ouais, c'est ça, c'est l'artisan qui va nous manquer. Ok. Bon, lui, il apprendra jamais rien, mais bon, voilà, c'est comme ça, on a un idiot. Hein. Il en faut un. Hein. Dans un village, il faut toujours un idiot. Café blanche. Cuisiner des aliments, très bien. Elle a les compétences. Blanche, blanche, blanche. Ah oui, ok. ...218 pièces. Ouais, j'en ai plus beaucoup des pièces. Hein. Oh bah. Elle, elle peut pas rester à rien faire, c'est incroyable. Bon, c'est pas grave en soi. Hein. Ah, c'est bien. C'est qu'il y a des choses à faire. Hein. J'ai peut-être vu un peu grand. Hein. Bon, on sait pas. On divisera peut-être ça en deux. On verra comment ça... Ça va plus tard. Qu'est-ce qu'il y a? Qui va pas bien? Qu'est-ce qu'il a, Antonin? Ouais, mais Antonin, nous en... Hein? Il a encore été emmerder quelqu'un. Il est où? Il est où, Antonin? T'as mineur de niveau 3. Bon, c'est pas ce qu'on lui demandait, hein. Mais bon. Bon, au niveau de la bouffe, on n'est pas si mal que ça, quand même. Hein. On va pas se plaindre. Ouais, du coup, ça ira là-bas. Ça sera plus simple, elle prendra de longues pauses. Ben, et en même temps, je t'ai jamais obligé à faire n'importe quoi. Hein? Alors, elle se plaint, mais elle y est allée toute seule. Hein? Qu'est-ce qu'il a, lui? À tous les coups, c'est Antonin qui l'emmerde. À tous les coups, ça commence à bien faire. Antonin, on a besoin de tes compétences, d'accord, mais quand même. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Antonin. Qui c'est qui est malade? Qui est malade? Ah merde! C'est Benjamin qui est malade. Qu'est-ce qu'elle a? Me dis pas qu'elle elle est allergique aux patates. T'es sérieuse? Oh, ils sont pénibles! Toi, t'apprendras rien. De toute façon, c'est mort. Toi, t'es malade, alors c'est embêtant. La plus proche d'avoir des points, c'est Blanche. On va voir. On refera un point au prochain épisode, je pense. Non, mais faites gaffe, hein, il va tous vous rendre malade. Hein. Je dis ça comme ça. Hein. Ils font ce qu'ils veulent là, hein. je leur donne pas d'ordre. Qu'on n'aille pas m'accuser d'être une méchante. Tu vas rendre la gamine malade? Elle est en train de manger des patates. Arrête de manger des patates! Vraiment, hein? Arrête! C'est dingue ça, hein?
C'est elle, hein, qui est allergique aux patates. Elle est allergique aux patates. Elle va y retourner, hein. Qu'est-ce qu'elle aimerait, Jane? Elle habite tout là-bas. Une chambre. Une maison. Ah, parce qu'il faudrait que sa chambre soit séparée du reste. Dans le genre, hein? Quand même? Une chambre avec une porte, c'est mieux. Est-ce que je peux... Ouais. Hop. Alors, tu veux une chambre? Là, tu viens construire. Ah ouais, ouais. Et arrête de bouffer des patates. Ah, elle doit cocher une chambre. Non? Je comprends pas. Elle a un lit. Qu'est-ce qu'elle voudrait de plus? Organiser une fête? Tu rigoles. Avoir un endroit pour ranger des armes dans sa possession. Alors, c'est dingue. Elle est docteur. Elle veut ranger des armes. Tu viens construire toi-même. Ça nous a apporté des points, au moins. Voilà. Maintenant que t'as un point, on va supprimer ça. Non, parce que... L'allergie aux patates, quoi. Ça va bien. Elle va se plaindre. Il cherche quand même. Avoir un vase dans sa chambre. C'est vrai que le ratif des outils n'est pas utile. Comment ça, non? Si? Tu peux pas y aller? Comment ça, elle peut pas y aller? C'est quoi ce délire? Ok, elle veut un vase. Alors, la déco. Est-ce que je peux... Considère bien qu'une amphore, c'est un vase. Hein. Un vase, un vase. Puis après, tu pourrais peut-être faire dodo. Hein. Voilà. Ouf. Ok, c'est bien ça. Prends ça. Ok, ça fait des arbres. C'est maintenant l'automne. D'accord. Bon, je crois que le jardin il s'en occupe tout seul. J'ai pas trop à gérer. Ça c'est cool. Ça fait peut-être beaucoup hein, quand même. J'ai peut-être un peu exagéré. Voilà. Hop, on va. Non, supprimer. Faut que je me mette sur le sol. Là. Non, parce qu'il faut pas exagérer quand même. Ouais, là, c'est peut-être pas mal, là. Ok.
Hop! Voilà, il y en a bien un qui va venir construire. Ok. Ça papote, bien. Comment va Benjamin? Oh, ça... tous toujours, mais bon. Au niveau de la bouffe, on en a 59. On espère que ça va passer. Est-ce qu'ils ont planté? Pas du tout. Blanche. Est-ce que... Blanche. Ça met des petits... Ah bah. Pénélope y va. Ok. Elle peut pas s'empêcher de faire n'importe quoi. Hey, il y est presque. Il y est presque. Mais bon, il faut 2 points. Alors ça, c'est une enfant. Ouais, lui, il a son point. Hop. Est-ce que t'as d'autres points? Artisan, bientôt. C'est donc le point-point, finalement, hein. Hop, y'a rien de mieux. Ok. Donc, mineur, ouais. Autant leur attribuer leurs points. Ok. Ça, c'est plutôt cool. Au niveau de la nourriture, on va être bien. Il n'y en a pas un qui va... Non. D'accord. Tu leur laisses faire leur vie. Benjamin a cassé sa jambe. Ah, allez, notre médecin. Il faut qu'elle aille voir Benjamin. Voilà, va lui poser une attelle. Ça, tu sais faire. En plus, tu vas gagner des points. Bien. Tu l'emmènes au lit. Ouais. Oh putain. Ah, j'adore. Allez, paf! Très bien. Donc du coup, est-ce que t'as gagné des points? Il n'y est pas encore, hein. Mais bon. Elle fait des efforts. C'est déjà bien. Bon, il a pas que cassé sa jambe, hein. Il a aussi grippé. Tous comme un malade. Ok. Bon bah écoutez, moi je vais arrêter l'épisode là. Je vous donne donc rendez-vous. Et bien pour la suite plus tard. Je vous remercie d'avance pour vos petits pouces en l'air, pour vos abonnements. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça m'aide énormément. Je vous fais des bisous, à bientôt.